Les camions constructeurs. Bonjour les amis, joyeux Halloween! J'ai l'impression que vous avez du pain sur la planche, comme d'habitude. Bon. Coucou les amis! Les enfants cherchent quelque chose d'amusant à faire pour Halloween! Vous avez des idées? Génial! Les montagnes russes de la peur! C'est parfait, Ethan! Allons au chantier! Waouh! J'ai l'impression que ça va demander beaucoup d'efforts, les amis! Mettons-nous au travail! Première étape, mettre les pylônes en place et fixer le rail. Deuxième étape, placer les wagons sur le rail. Troisième étape, attacher les murs et le plafond. Tout d'abord, nous devons mettre ces pylônes en place. Ils supporteront le poids de toute la traction. C'est cela! Superbe travail d'équipe, les amis! Maintenant, nous devons attacher le rail sur les pylônes. Edgar, n'oublie pas les vis! Nous en aurons besoin pour assurer la solidité de l'ensemble. Beau travail! Bien serrer ses vis. C'est vraiment en train de prendre forme. D'accord. La prochaine étape est de placer les wagons sur le rail. Charlie, dépose-les simplement sur le rail, l'un après l'autre. Assure-toi que les wagons sont bien en place. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attacher les murs et le plafond. Faites attention en abaissant le plafond, les amis. N'oubliez pas de les fixer pour qu'ils tiennent bien en place. Oh, c'est vraiment super! Ça va être très amusant et un peu effrayant. Les enfants vont passer un super Halloween! Comment ça va, les enfants? Êtes-vous prêts à faire un tour dans la maison hantée? Qu'en penses-tu, Francis? Tu veux monter dans le dernier wagon? Amusez-vous bien! Et faites attention aux chauves-souris! Waouh, ce fantôme a l'air très vrai. Nous sommes contents que vous vous soyez amusés, les enfants. Joyeux Halloween. Oh, Francis, tu sais que c'est faux, non? Mission accomplie, les amis. Vous pouvez accomplir de superbes choses quand vous travaillez en équipe. Au revoir, les amis. À la prochaine. Les camions constructeurs.
Bonjour Charlie, où vas-tu? Tu vas à l'hôpital pour réparer un toit abîmé? Génial, on vient aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à atteindre le toit? Oh non, qu'allons-nous faire? Tu as une idée? Laquelle? Tu vas demander de l'aide au camion constructeur? Excellente idée! Allons-y! Bonjour les camions constructeurs. Charlie a besoin de votre aide. Il doit réparer le toit de l'hôpital, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Pouvez-vous construire quelque chose qui pourrait l'aider? Oui? Super! Qu'allez-vous construire? Un ascenseur. Formidable. Mettons-nous au travail. Que doit-on faire en premier? Première étape, nous devons construire la base de l'ascenseur. Ok. Deuxième étape, nous devons construire la cabine. D'accord, Charlie. Allons-y. Parfait. De quoi d'autre avons-nous besoin? De plaques de verre? Parfait. C'est tout? Non? Quoi d'autre? Troisième étape, nous devons construire un toit et trouver une roue. Waouh! C'est incroyable, les amis! C'est le moment d'essayer l'ascenseur. Où vas-tu mettre ça, Edgar? Sur le toit? Est-ce qu'on a encore besoin d'aide? Tu penses qu'on devrait demander à Hector? Bonne idée! Bonjour Hector! Peux-tu venir aider les camions constructeurs? Oui? Super! Allons-y! Le voilà!
Merci, Hector. Tu es prêt, Charlie? Excellent travail. Merci les camions constructeurs. À la prochaine. Les camions constructeurs. Ferme les yeux, bébé Amber. Ok, bébé Jérémy. Tu es prêt à te cacher? 3, 2, 1, go! Ok, bébé Amber, tu peux ouvrir les yeux. Où est bébé Jérémy? Bien joué, bébé Amber. C'était rapide. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne trouvez plus de cachette, les enfants? Hé! Hey, voilà les camions constructeurs. Que faites-vous aujourd'hui, les amis? Vous cherchiez les enfants pour voir s'ils veulent que vous construisiez quelque chose. Alors, les enfants, voudriez-vous que les camions constructeurs vous aident? Dites à Charlie ce que vous voudriez qu'il construise. Un endroit où jouer à cache-cache? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Les camions constructeurs vont vous construire un labyrinthe géant. Que devons-nous faire en premier, les amis? Nous avons besoin de planches pour construire les murs du labyrinthe. Ok. Charlie, pourrais-tu l'aider? Bon travail d'équipe, les amis. Et maintenant, nous devons les scier en différentes tailles. D'accord. A-t-on besoin d'une scie? Bon travail, Edgar. Et maintenant? Tu vas monter les murs pendant qu'Edgar scie les planches restantes? Bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Charlie? Nous devons apporter plus de murs? Ok. Hé, hey, Ethan! Pourrais-tu venir et tenir les murs en place?
Hey Edgar! Hey Edgar! Edgar, je suis sûr que tu peux mieux faire que ça. Waouh, Edgar, tu as travaillé dur. Excellent travail, les amis. Maintenant, allons construire le plus grand et le plus beau labyrinthe possible. On y est presque, les amis. Plus qu'une dernière pièce. Super travail! Hé, hey, les enfants! Venez voir le labyrinthe! Vous voulez l'essayer? Ok, bébé Amber, c'est ton tour! 3, 2, 1, go! Ouvre les yeux, bébé Jérémy! Très bon travail, les amis. Maintenant, les enfants pourront jouer à cache-cache toute la journée. Les camions constructeurs. On dirait que bébé Tom et ses amis, Cathy et Matt, vont quelque part. Allons voir pourquoi ils sont si excités. Incroyable! Tom a découvert de vieilles montagnes russes. Oh oh! Elle est peut-être trop vieille finalement. Attends Tom, ça a l'air trop dangereux pour jouer ici. Fais attention Tom! Les enfants, trouvez un autre endroit où jouer. Ici, c'est trop dangereux. C'est une excellente idée, Matt. Si quelqu'un peut remettre ces montagnes russes en état, ce sont bien les camions constructeurs. Bonjour Charlie, Ethan, Edgar. Les enfants sont venus vous demander quelque chose. Pourriez-vous réparer les vieilles montagnes russes? Bonne nouvelle, les enfants! Ils veulent bien relever le défi. Il ne vous reste plus qu'à leur montrer le chemin. Ce n'est plus très loin, c'est juste derrière cette vieille porte. Pensez-vous pouvoir les réparer? Tu as raison, Edgar. Tout d'abord, on doit mettre ce pilier debout et le sécuriser. Il est temps de sortir, les enfants! Super, voilà qui est fait. Maintenant, vous devez remplacer ce rail abîmé. Vous avez quelque chose de spécial à ajouter aux montagnes russes?
Cool, un looping. Ça va être tellement amusant avec ça. Oh non, c'est trop haut. Même pour Charlie. On y est presque, les amis. Excellent! Ça a marché! Où est passé Ethan? Oh, il est là! Ben, que fait-il? Cool! Il installe un tunnel dans lequel les wagons pourront passer. On dirait que les montagnes russes sont prêtes. Wow, wow, wow. Restez calmes, les enfants. Edgar a raison. Ils doivent d'abord tester l'attraction pour s'assurer que ce n'est pas dangereux pour vous. Ça a l'air tellement amusant! Il semble que vous pouvez y aller maintenant, les enfants! Vous avez bien réparé ces montagnes russes, les amis! Tout le monde peut en profiter en toute sécurité maintenant! Beau travail!